Vincent, alias Vince. Je suis 50% de Torso, puisque Torso, c'est un duo. Et ici, nous sommes dans notre home studio. C'est ici que les deux derniers albums de Torso ont été conçus, réalisés, enregistrés, mixés et même masterisés par mes soins. Pendu à la fenêtre en PVC, je regarde passer les vents mauvais. Un sac plastique voltige par-dessus les poubelles. Je fixe un point quelconque au détour de la rue. La pharmacie épilepsie en vert fluo. J'observe à la longue vue les gens qui sortent de chez moi. Il est clair que moi je suis un enfant de la new wave ou du post-punk. Donc ça se ressent énormément dans les musiques. J'ai aussi beaucoup d'intérêt pour une certaine chanson en français, avec des gens notamment comme Thiéfen que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup le rock indé de la fin des années 90, avec des groupes comme Pixies. Donc Torso, j'essaye de faire en sorte que ce soit quelque chose qui ressemble à la musique que j'ai envie d'écouter. L'autre particularité de Torso, c'est que ayant passé l'âge de vouloir séduire à tout prix, on jouit d'une liberté totale. Donc on fait vraiment la musique qu'on a envie de faire, qui nous ressemble, et sans se soucier de est-ce que ça va plaire ou pas. Le samedi soir à 20h30, à quelques secondes du bonheur, quand l'ombre de l'amour se cristallise sur mon berceau, et que tous les chiens de l'enfer viennent succomber à tes caresses. Ce qui revient souvent quand on parle des textes de Torso, ce qui en sort dans la presse, il y a un qualificatif qui revient très souvent, c'est expressionniste. Donc il y a quelque chose, des textes qui sont très ancrés dans la réalité, mais qui trouvent aussi leurs influences dans la littérature, dans le cinéma. Beaucoup de gens qui ne nous aiment pas, ne nous aiment pas à cause des textes. Beaucoup de gens qui nous aiment, nous aiment à cause des textes. Ceux qui ne nous aiment pas nous reprochent une certaine noirceur du propos. Ceux qui nous apprécient utilise plutôt le mot de lucidité. Donc moi, dans l'idée que les textes font preuve d'une certaine lucidité. C'est pas parce qu'on chante pas les petits oiseaux que on est forcément noir et dépressif. Lors d'un appel en PCV, j'ai oublié le son de ma voix. Je largue mes mégots par la fenêtre et mes amants dans les parkings. Je finis par effacer leurs noms dans les pages jaunes de l'annuaire. Puis je raccroche enfin les gants et mon vieux fusil à deux coups. Alors, une autochronique des trois albums. Alors ça, j'aime beaucoup parce que ils ont effectivement tous les trois leur caractère. Avant, bon, faut dire qu'il y a trois albums et un EP qui est sorti au tout début de Torso, qu'on ne trouve plus, sur lequel il y avait une reprise de Daniel Darc. Alors le premier album qui s'appelle Neuf Solfatar, c'est un album que j'ai fait quand j'étais tout seul, donc c'est un album complètement solo. Il a été fait dans mon premier home studio qui n'était pas aussi développé que celui-ci. C'est un album très froid, très clinique, très, on va dire, qui met très mal à l'aise à l'écoute, et que j'aime beaucoup. Le deuxième album s'appelle Éloge de la compression. Il a été réalisé 2 ans après celui-ci. Donc là, c'est un travail qui était un petit peu plus un travail de groupe, avec une évolution dans le son, un son un petit peu plus ouvert, plus lumineux, moins claustrophobique, je dirais, que le Neuf Solfatar. Et le dernier donc s'appelle Rien de nouveau, en quelque sorte, qui justement est un titre clin d'œil, parce que on a
l'impression, donc Alex et moi, d'avoir réussi à garder l'identité torso, parce que je crois qu'on a un son qui est clairement identifiable, on a un phrasé qui est clairement identifiable. Donc on a réussi à garder l'identité torso en mettant beaucoup plus de lumière dans les chansons. Avec des schémas presque pop. Il faut savoir que dans les premiers albums, il n'y avait pas du tout de couplet-refrain. C'était des chansons avec des textes posés comme ça, déclamés. Et là, on s'approche pour certains titres beaucoup plus des structures des chansons. Le samedi soir à 20h30, à quelques nanosecondes près.